результаты. Ну, восьмое место тоже неплохо. Главное, что публика по-прежнему тебя любит и жить без тебя не может. On attend les petites qui sont en train de ramasser les plumes que notre jeune amie Anne-Sophie a éparpillées un petit peu partout sur la glace. Ну, что касается других видов фигурного катания, то они также подвержены всему артистическому и театральному, что характеризует французское фигурное катание на протяжении долгих лет. В танцах Натали Пешала и Фабьен Бурза, безусловно, не добились и половины того, чего они хотели бы добиться. Седьмое место – это далеко не третье, которое они заняли три недели назад на Skate America. Поэтому они плакали по завершении своей произвольной. А что еще оставалось делать? Petit point arrière, salto, fléchissement. Un pas de côté, le tout en souriant. Elle lance son bâton qu'elle rattrape à tous les coups. Et reprend sa marche en montant les genoux. Une fille de la télé, une Ferrari, c'est ce qu'il y avait dans la lettre que je lui ai envoyée. Je sais pas que c'était moi, j'ai pas osé signer, parce qu'il y a un problème, c'est un militaire, qu'un bel uniforme, un vrai, un barbe de l'air. Il fait son service à la caserne d'à côté, à la fête foraine, Nadège l'a embrassé. Des fois, je fais des rêves. J'ai mon uniforme vert, mais dans mon rêve, c'est celui de l'armée de l'air. Je défile en tête sur les Champs-Élysées, et la neige, elle est fière. Dans mon rêve, on est mariés, les enfants, je m'en fous. D'ailleurs, je m'en fous de tout, des jupes, des majorettes et de ce qu'il y a en dessous. Tout ce qu'ils crèvent avec leurs fanfares, leurs vrais uniformes et leurs beaux militaires. J'ai fait un beau snob, saccagé d'un maglot pour que la neige rade. Une fois son bâton, leur cacher la parade, leur casser les oreilles. Je suis bon à rien, la preuve, je ramasse les feuilles mortes. Французы Натали Пешала и Фабьен Бурза специально для французского турнира серии Гран-при выходят с новым показательным номером. Ну и вообще, ко всему, что происходит во дворце спорта Берси в эти дни, все французы относятся довольно-таки серьезно. И полные трибуны в Берси всегда тому подтверждением.